Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. C'est avec grand plaisir que je vous annonce que Caro Tuto devient partenaire de la troisième édition du concours des meilleurs artisans de France 2021. Si vous me suivez, vous le savez, j'ai participé à la première édition. Donc je vais pouvoir un petit peu vous donner mon expérience, ce que j'ai ressenti et puis avec aussi quelques conseils. Il faut savoir que ce concours a été créé pour mettre en valeur le savoir-faire français. L'artisanat, c'est la première entreprise de France. Et bah, c'est vrai que quelque part, ça manquait un petit peu de peps, on avait besoin d'être un petit peu soutenu. Et c'est vrai que mettre en valeur notre savoir-faire à travers des concours comme ça, bah, franchement, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que j'ai voulu y participer moi aussi, hein. C'était d'un point de vue personnel. Je voulais savoir tout simplement de quoi j'étais capable entouré de grandes pointures du carrelage. Alors cette année, RMC World Skills, appuyé par la CMA de France, lance la troisième édition du concours des meilleurs artisans de France. Il faut savoir qu'il va y avoir 7 catégories. Alors cette année, bah, écoutez, il y a quand même un gros lot à gagner. Il y a 14 000 euros à se partager. Alors par contre, il va y avoir deux conditions pour pouvoir y participer, c'est avoir bien sûr une carte professionnelle d'artisan et aussi être libre les 26, 27 et 28 mai. Tout simplement, c'est le déroulement de l'épreuve le 26, 27 et 28 mai 2021. Alors c'est à partir de maintenant jusqu'au 9 avril, c'est ça, 9 avril? Ouais. Alors si vous êtes passionné par votre métier et que vous voulez sortir des sentiers battus, je vous conseille de vous inscrire tout de suite. Vous avez jusqu'au 9 avril 2021 pour vous inscrire. Alors suite aux inscriptions, c'est du 12 au 22 avril 2021 que les jurys vont se réunir pour délibérer, pour choisir les 6 finalistes de chaque catégorie de métier. L'épreuve finale, c'est au Paris Event Center et ça se déroulera le jeudi 27 mai 2021. Bon, ensuite, il y aura une émission qui sera complètement consacrée au lauréat qui sera diffusée avec Neumann et Le Chypre sur RMC et RMC Story. Ressenti, eh ben, écoutez, c'est ce qui m'a vraiment impressionné déjà, c'est l'organisation. Il faut savoir que vous avez tout est organisé d'une manière chirurgicale et puis aussi l'ambiance. Alors là, l'ambiance aussi, ça m'a marqué parce que lors du concours, vous entendez juste le bruit des outils, on est chacun dans notre bulle, ça travaille. Je peux vous dire que le temps passe très très vite, ils mettent vraiment le paquet, ils sont vraiment à l'écoute des différents finalistes. Vous allez pouvoir quand même vous exprimer à travers votre métier. Vous allez avoir des zones qui sont vraiment uniquement réservées à votre outillage. Tout est vraiment super bien organisé. Non, ça c'est vraiment un grand chapeau à eux. Il y avait aussi énormément de respect entre chacun des finalistes. Et bah, écoutez, c'était juste une expérience exceptionnelle. Si vous lancez dans cette aventure-là à travers le métier de carreleur, j'ai 2-3 conseils à vous donner. Déjà, c'est à vous habituer à la meuleuse à eau, puisque ça a été un grand point négatif pour moi. Je travaille exclusivement avec des meuleuses manuelles, et je peux vous dire que me retrouver avec la meuleuse à eau, ça a été assez compliqué. Alors, j'ai fait une série de vidéos, je vous mettrai tous les liens, où on me voit un petit peu m'exercer avec la tournette de verrier à l'époque, puisqu'on avait un cercle à réaliser dans un carreau, et avec la meuleuse, vous voyez, je découpe, j'essaye de faire le rond parfait. Malheureusement, le jour J, on avait des meuleuses à eau, ça c'était un petit peu compliqué. Donc déjà, essayez de travailler uniquement avec ça. Autre chose aussi, tout ce qui va vous permettre d'avoir des très belles finitions, ça va être tout ce qui va être cale à poncer, des crayons très fins et aussi avec des carrelettes assez performantes qui peuvent vous permettre de séparer des carreaux dans des grandes longueurs. On ne sait pas, vous n'allez pas connaître le sujet, mais si vous avez des grandes diagonales à effectuer, prenez des carrelettes adaptées avec des séparateurs assez puissants. Et ensuite, eh ben, poncez chacune de vos coupes. Vous allez avoir l'impression de perdre du temps, mais je peux vous dire que vous allez en gagner, puisque là, vous allez avoir l'œil affûté de chaque membre du jury qui vont regarder un petit peu vos finitions. Et là, je peux vous dire, ça ne pardonne pas. C'est du niveau. Alors c'est vrai que ce genre de projet, c'est ni plus ni moins qu'un dépassement de soi-même, hein. Ça permet de connaître un petit peu nos failles, nos difficultés, ça nous permet de nous améliorer. Donc écoutez, c'est juste avec grand plaisir que Caro Tuto est partenaire du concours des meilleurs artisans de France pour cette troisième édition. Alors si vous voulez un petit peu vivre l'épreuve, hein, je vais vous mettre en lien de description toutes les vidéos concernant écoutez, mon aventure à Paris. Vous allez voir le déroulement un petit peu, comment on a été sélectionné, vous allez voir aussi lorsqu'on va nous expliquer les journées. Et puis je vous mets aussi le lien de la vidéo où je passe ce fameux concours. Je vous mets tout ça là-dessous. Vous allez avoir aussi toutes les informations sur le concours. J'ai envie de vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis surtout, prenez soin de vous.